Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et waouh, la dinguerie quoi. J'ai beaucoup de choses à dire moi. Croyez bien que j'ai pas chômé sur cette review. Pas que je chôme d'habitude, disons que là, il y avait beaucoup de choses à dire. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Suite des mini-aventures de Yamato, nous pouvons constater que le château de Den est en reconstruction, mais que Minatomo, le maître charpentier, a disparu. Mais où peut-il bien être ? Eh bien, dans le précédent chapitre, Yamato a empêché un enlèvement. Alors, est-ce que la disparition de Minatomo est liée à ça ? À voir. Mais en tout cas, si il y a d'autres enlèvements dans, par exemple, le prochain chapitre, bah là, on saura que tout ça, c'est lié. Et qui est derrière tout ça ? Aucune idée. Enfin bon, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors que les agents du Cyberpole se préparent à charger les Séraphins, Lushi et Kaku retournent à leur navire. Lorsqu'un agent demande où se trouve Stussy, Lushi dit qu'il l'a tué. Alors évidemment, c'est assez clair que Stussy n'est pas morte. La réaction de Kaku laisse penser qu'il a caché la vérité à Lushi, qui aurait donc menti sans le savoir. Ou alors, Lushi est bien au courant et ment ouvertement. Mais honnêtement, je partirais plutôt sur la première option pour le coup. À Marie-Joise, les nobles mondiaux paniquent à cause de la diminution de leurs réserves de nourriture. Moi, tout ce que j'ai à dire, chien, allez crever maintenant, ça nous fera des vacances, oui. Ce chapitre confirme que Edison n'était pas mort et il a agi. Les autres satellites ont survécu à la destruction de leur corps et habitent celui d'Edison. Au final, ils se sont tous assemblés pour former un nouveau corps qui combine les parties d'Edison, Shaka, Atlas et Pythagore. Cela explique les paroles de Lilith dans le précédent chapitre. Et honnêtement, je trouve ça cool. Le nouveau Vegapunk a un design très intéressant. Genre, il a un bras d'Atlas, un bras de Pythagore, la tête d'Edison, le corps de Chaka. Enfin, je trouve ça très intéressant pour le coup. D'ailleurs, ils ont pu récupérer Punk Records, même si, comme ils l'ont dit, au final, ça ne sert pas à grand-chose, car York peut toujours s'y connecter. Edison ayant accès aux pièces détachées de chaque satellite, il est possible qu'il les reconstruise sur Weatheria. Et le fait qu'ils aillent à Weatheria, ça, c'est très cool. Vraiment très très cool. Autre note intéressante, Chaka a dit qu'il faudra environ 500 ans pour que Punk Records soit accessible à l'humanité. Ceci est-il un foreshadowing d'Oda ? Peut-être qu'à la fin du manga, le monde redeviendra comme il l'était il y a 900 ans et sera doté des technologies de l'ancien royaume ? Bah, en vrai, à mon sens, ça me semble probable. Saturne fait le point avec les vice-amiraux, refusant qu'ils aillent poursuivre Luffy et Bonnie jusqu'à Elbaf. Nous apprenons qu'il y a 200 ans, Saturne lui-même a ordonné que Emmett soit épargné et étudié dans le but de renforcer leur puissance militaire. Il a pris une décision par lui-même. En somme, il a fait le rebelle, quoi. Quand Doberman a demandé à Saturne si ce qu'a dit Vegapunk était vrai, il l'a blessé instantanément en réponse. Mais il s'est vite ensuite pris un karma instantané. Saturne s'est fait pulvériser violemment par Imu. C'est clairement la mort la plus choquante que personnellement moi j'ai pu voir jusqu'ici dans One Piece. Il y a eu des morts dans le manga, mais à mon sens celle-ci est la plus choquante que nous ayons vue pour le moment. La violence du truc les gars, la violence. Il vieillissait petit à petit, il a fini en état de squelette, c'est une dinguerie. Waouh.
Après, il le mérite, hein, bien sûr, il le mérite, on ne va pas se mentir. Après tout ce qu'il a fait subir à Kuma, à Ginny, à Bonnie, enfin... Non, non, c'est mérité, clairement mérité. Alors, chez Saturne, repose en enfer. J'ai que ça à dire, il y a zéro pitié ici. Néanmoins, la mort de Saturne laisse penser qu'Imu est bel et bien celui qui a donné l'immortalité au Gorosei. Étant lié à lui, d'où leur allégeance, il suffirait à Imu de rompre le lien pour qu'il meure instantanément de vieillesse. En somme, Imu est le diable en personne. Et croyez-moi, ça j'y crois. J'ai tendance à penser à ce stade que Imu n'est pas humain, clairement. Avez-vous vu d'ailleurs le dernier épisode ? C'est vraiment très smart de la part de la Toei d'avoir donné une voix robotisée, va-t-on dire, à Imu pour cacher son genre. Mais et si c'était vraiment sa voix ? Une voix d'outre-tombe, une voix extrêmement flippante qu'on pourrait donner à un démon. Et en vrai, c'est comme ça que je vois Imu. Genre le démon des mers en personne. Imu, c'est un personnage vraiment, vraiment fascinant. Et waouh, il fait vraiment flipper. Et beaucoup le comparent à Muzan dans Demon Slayer. Ayant très peu de connaissances concernant Demon Slayer, je peux dire que le lien est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez des connaissances sur Demon Slayer et si vous connaissez très bien le personnage de Muzan. Quoi qu'il en soit, Saturne a été remplacé par Figarland Garling. Et ça, c'est absolument incroyable. Ce gars-là, il a vraiment beaucoup de flow. C'est clair que c'est une pourriture autant que les autres, mais il est vraiment stylé, ça c'est clair. Sans compter qu'il a totalement sa place dans la théorie du système solaire. Le soleil, bien évidemment, représente Luffy, alias Nika. Saturne, Mars, Vénus, Mercure et Jupiter représentent le Gorosei. Pluton, Uranus et Neptune représentent les armes antiques. La Terre, bien évidemment, représente clairement Imu. Et de ce fait, la Lune est représentée par Garling. C'est QFD pour moi, les gars. De profil, les cheveux plus la barbe de Garling forment une lune. Bon, par contre, quand il est de face, ça forme plutôt une étoile. Mais clairement, la lune, c'est le lien pour le système solaire. Et oui, aussi, le fameux trou noir, barbe noire, évidemment. J'ai déjà parlé de cette théorie plusieurs fois, c'est vraiment très intéressant. Et on galérait pour tenter de trouver quelqu'un qui pourrait représenter la lune dans le système solaire et dans cette théorie. Mais finalement, on a la réponse maintenant. Mais néanmoins, on peut se poser une nouvelle question. Quel pouvoir aura-t-il ? Ah ouais, ça, c'est une question très intéressante. Et je doute fort qu'il aura le même pouvoir que Saturne. Clairement, pour moi, ce sont des pouvoirs transmis par Imu, pas des fruits du démon. Clairement, je vous le dis, ce ne sont pas des fruits du démon pour moi. Donc, en devenant membre du Gorosei, tu passes un pacte avec Imu, ni plus ni moins le diable, et du coup, non seulement Garling a l'immortalité, mais en plus un pouvoir. Et impossible pour moi que ce soit celui de Saturne. Garling a l'air déjà très 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 puissant, pas besoin de lui donner un quelconque pouvoir, mais pour moi ce serait la norme pour correspondre au Gorosei. Et de ce fait, si il a bel et bien un pouvoir, mais de quoi pourrait-il s'agir ? Eh bien, j'ai pensé à quelque chose de bien précis, les amis. Garling est lié à la lune. Et quelle créature imaginaire est liée à cette dernière ? Le loup-garou, exactement. Un loup monstrueux qui rappellerait Fenrir, le loup, fils de Loki, dans la mythologie nordique. On arrive à Elbaf, ça tombe bien. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, Fenrir a deux fils opposés. L'un qui court après le soleil, l'autre après la lune. Et vous connaissez aussi bien que moi cette fameuse théorie comme quoi Shanks aurait un jumeau maléfique. Théorie à laquelle je n'ai jamais cru d'ailleurs. Mais vraiment, ce serait intéressant que je développe ça dans une vidéo si j'ai le temps. Mais vraiment, cette théorie est très intéressante. Et du coup,
Si il est bien révélé que Garling peut se transformer en loup monstrueux qui rappelle Fenrir, eh bien, on l'aura là le lien. Pour revenir une dernière fois à Saturne, je tiens à rappeler que Katharina Devon l'a touché pour prendre son apparence. Mais maintenant qu'il est mort, à quoi est-ce que cela va servir ? À rien, vu que pas mal de gens sont maintenant au courant de sa mort. Les marines sur place et les autres membres du Gorosei. Enfin, j'imagine qu'ils sont au courant vu que Garling l'a remplacé. Et j'ai tendance également à penser que c'est pas la première fois qu'un des cinq doyens est remplacé. Jupiter, c'est clairement le plus jeune de tous, alors peut-être qu'il est un remplacement de base. Qui sait ? Peut-être qu'ils ont l'habitude de ça. Donc, affaire à suivre, mais là, le plan de Teach avec Katharina Devon qui touche Saturne, bah ça sert un petit peu à rien vu que le gars, il est dead. Alors bon, on verra bien comment ça se passera, n'est-ce pas ? Et enfin, le chapitre se termine à que d'étrave, les révolutionnaires discutant du message de Vegapunk. On connaissait déjà l'existence de Tequila Wolf, mais Iwenkoff nous a dévoilé l'existence de trois ponts similaires, sûrement situés sur les trois autres mers. Vodka Wolf, Rum Wolf et Bourbon Wolf. Donc en gros, tranquille, hein, les nobles mondiaux, ils sont à hauteur pour échapper à la catastrophe. Et les ponts, justement, sont construits depuis tout ce temps pour échapper à ça. Et quant à Dragon, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'ils doivent agir vite avant que le monde ne s'entretue pour survivre. Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que l'annonce de Vegapunk clairement doit faire paniquer des gens, voyez. Et je pense que dans le prochain chapitre, on pourrait avoir les retombées, les réactions des gens, la panique face à son annonce, peut-être. Mais bon, j'ai aussi tendance à penser qu'on peut directement suivre les Moogies qui vont à Elbaf, je sais pas. Bref, ça serait intéressant de voir les retombées d'une quelconque manière. En tout cas, voilà, Dragon a soulevé un très bon point, c'est que ça va faire paniquer les gens et risque de s'entretuer pour survivre et échapper à la montée des eaux. En tout cas, c'était un excellent chapitre, les amis, j'ai adoré ça comme d'habitude. Et après, il y en a qui osent dire qu'Oda ne sait plus gérer son œuvre. Jokes on you. Non mais vraiment les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre ? De la mort violente et méritée de Saturne et de son remplacement par Garling ? J'ai hâte de discuter de tout ceci avec vous et j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre les gars. Je trépigne d'impatience. Non mais One Piece c'est vraiment la meilleure œuvre actuellement que je suis en train de lire, faut le dire. Je lis pas mal de choses à côté, je regarde pas mal d'animés, mais vraiment One Piece pour moi, il est en haut. Voilà, je ne suis pas objectif peut-être, mais c'est le cas. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec tous vos retours, ce que vous avez pensé de ce chapitre, de vos théories. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la théorie sur Fenrir ? Du coup, le fait que Garling pourrait se transformer en loup. Est-ce que ça pourrait éventuellement, si ça se concrétise dans le futur, confirmer la théorie selon laquelle Shanks aurait un jumeau maléfique ? Enfin vraiment, c'est une vidéo que je dois absolument faire. Il faut que je trouve un créneau parce que j'ai pas mal de choses à faire. Alors, il va falloir que je repousse peut-être des trucs, on sait pas. Mais voilà, vous inquiétez pas, je gère et je vais essayer de vous proposer ça dans les temps. Voilà. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.